Thierry. Bonjour. C'est la première fois que nous t'avons à l'image. Oui, c'est vrai. On t'a déjà eu à l'audio et on répare un petit peu l'erreur de l'année dernière. Enfin, c'est pas une erreur, mais parce qu'on avait interviewé pas mal de gens et puis on s'est dit, voilà, avec Jérémy, que ce serait cool de t'avoir en vidéo et d'avoir quelques minutes avec nous. Te donner une pause aussi parce que c'est mérité. Quoi. Ouais, s'asseoir, c'est pas mal en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas si surfait que ça de s'asseoir. Oui. Bon, ben voilà, c'est la 16e édition du Festival d'Imaginaire, Geek, Famille et Autre Monde, la 3e... Oui, la 3e, la 3e sous cette forme à Saint-Canin, ouais. 4e si on compte la Geek Family, la première, la première. Et voilà, donc ouais, la 3e, et c'est vrai que c'est chouette parce qu'il y a... Il y a encore pas mal de monde et on a pris un petit peu des risques en modifiant un petit peu la formule et ça a l'air de prendre, donc c'est plutôt cool. Alors du coup, rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des changements de cette année ? Alors, dans les changements principaux, l'école Innov qui nous a rejoint cette année, qui a mis en place un let's play pour montrer des productions en fait d'étudiants au public, et un rééquilibrage en fait au niveau du cosplay, de l'animation en fait visuelle que peut proposer le cosplay et du salon classique. Donc ça a apporté une dimension un petit peu plus waouh au niveau des enfants, au niveau des adultes, ça crée un corps en fait au festival qui est plutôt chouette. Alors effectivement, en tous les temps, les gens ont l'air d'apprécier. Les premiers retours là, quand on est arrivé en sortant de la voiture, on s'est dit waouh, déjà il y a vraiment quelque chose qui gagne un petit peu en level, on va dire. Ouais. L'idée, c'est outre le fait de gagner en level, c'est de. Moi, j'ai toujours cru que quand tu arrives dans un festival ou quand tu arrives dans un événement, le but, c'est pas juste d'avoir un contenu qui est chouette. C'est important d'avoir un contenu qui est solide, qui est intéressant, mais c'est que la boîte soit jolie aussi. Que l'emballage soit joli, parce que c'est ça qui va te faire rentrer. C'est comme quand tu ouvres une BD, c'est important que la BD soit bien, mais c'est la couverture qui va te faire acheter le bouquin. Et là, c'est pareil. Si quand tu arrives déjà, tes yeux s'écarquillent, tu fais « Waouh !» Ton esprit va se prédisposer en fait à accepter tout ce qu'on va te montrer et à tout ce que tu vas voir. Et là, voilà, l'idée, c'est qu'on reste dans cet esprit-là et que voir les yeux s'écarquiller de tout le monde, que ce soit d'un enfant de 8 ans parce qu'il va voir un Mandalorien, ou de son papa ou de sa maman parce qu'il a vu la série, qui va faire « Waouh, j'adore !» Et rencontrer des auteurs aussi de romans connus, alors que on n'a pas forcément toujours l'occasion de les rencontrer. Donc voilà, c'est tous ces facteurs qui font que c'est plus une question de nouvelle vision que de level en fait qu'on a voulu monter. C'est plus une autre façon de voir. On est content parce que du coup on se rend compte que ça a porté ses fruits. Mais voilà, l'idée c'est toujours essayer d'en apporter un peu plus aux gens quoi. Puis on a déjà des idées pour l'année prochaine. Ouais, j'imagine. Non, il y avait vraiment cet effet un peu waouh quand on arrivait et surtout toujours en gardant on va dire les ingrédients qui font que ce festival est un succès qu'on aime aussi y revenir. Ah vous aussi ça fait trois ans à y revenir chaque année et même si on ne faisait pas ces interviews on y reviendrait quoi. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est un espèce de rituel. C'est la bonne ambiance en fait qui règne entre le public, des pointus à la famille qui est pas forcément imprégnée tant que ça de pop culture, aux auteurs, aux autrices eux-mêmes, aux créateurs, aux créatrices. Il y a une espèce de d'émulation hyper positive et je sais pas, je me sens comme à la maison à chaque fois. C'est je crois que dans le titre il y a Geek Family en fait. Et il y a vraiment cette idée de famille sous deux angles en fait. Tu peux venir avec ta famille parce que on n'exclut personne, et l'idée de créer une famille aussi même avec les gens avec qui on construit le festival, parce que c'est pareil, je pense que construire un événement qui marche au niveau du public, je pense qu'il y a une forme d'empathie. Si déjà dans les gens qui l'organisent il y a une émotion, il y a un rapprochement, on fait ça dans la bonne humeur, dans l'envie, les gens vont le ressentir. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi là cette année, notamment au niveau du cosplay. Plutôt que de chacun faire les trucs dans son coin, on s'est tous mis autour d'une table et allez, qu'est-ce qu'on fait. Et ça s'est construit de manière complètement empirique. Et tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et du coup, voilà, c'est cette énergie en fait positive qui se met ensemble et qui donne aussi cet esprit au festival et qui fait que, comme tu dis tout à l'heure, on arrive, on est bien. Voilà, ça crie pas, il y a du bruit mais pas trop, et on est dans une espèce de petit nuage de coton, puis on est cool quoi. C'est voilà. T'as une question, Jérémy? Alors je sais pas si t'as déjà des idées de développement pour les années futures. Si t'as des trucs que tu aimerais mettre en place ou que t'as pas pu mettre en place cette année, par exemple. Alors cette année, on a testé beaucoup de choses. Donc de nouvelles choses à mettre en place. Non, j'ai pas vraiment d'idées. Il y a quelques petites pistes.
voilà, des petites pistes qui vont dépendre aussi de où on fait le festival, si on le fait ici ou dans un autre lieu. Mais pour l'instant, peut-être travailler en fait une... Alors c'est très ambitieux, mais une idée d'une communication transmédia en fait. On fait depuis le début du podcast, depuis le début du festival, lapsus, un podcast qui s'appelle Le Bureau des événements imaginaires avec mon compère Vincent Corlet que vous avez eu en interview tout à l'heure. Et l'idée qu'on a eue, alors attention, hein, c'est off record, hein. Ce sera pas diffusé sur internet, c'est ça? Non, pas du tout. Ce serait de faire un podcast qui raconte une histoire dans un univers. Et de reproduire cet univers le jour du festival. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est super. Voilà, c'est une idée, c'est un projet. Il faut voir et impliquer comme on a fait cette année, impliquer les cosplayers dedans, ce qui fait que l'histoire dans laquelle on va être embarqué au cours de cette fiction sonore, qui sera à la fois informative et à la fois une fiction, bah, les personnages seront là. Et voilà. Après, on a aussi d'autres idées d'écrire un petit bouquin autour de ça pour renforcer un peu ça. Bon, bref, plein de voilà, travailler un petit peu sur ça. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est aussi une des caractéristiques et ce qu'on a eu ressenti un petit peu avec Vincent aussi, c'est que ben en fait il y a énormément de créativité même quand on est du côté de l'organisation et je pense que ça nourrit hein, de voir justement les pastilles du podcast. C'est un univers en soi en fait qui perdure d'une année sur l'autre et donc du coup là de le créer, de le mettre un peu de façon grandeur nature, de le faire arriver sur ouais. Ah, c'est super. L'idée c'est que Vincent et moi dans le podcast on est un peu des caricatures de nous-mêmes, on est un peu des personnages. C'est heureusement pour moi je suis pas comme ça, un petit peu mais pas complètement. Et du coup c'est pour ça qu'en discutant on s'est dit mais tiens ce serait marrant de nous on est dans les deux mondes. Pourquoi un monde qu'on raconterait en plus ne viendrait pas dans le nôtre, voilà. Donc, il va falloir qu'on s'y mette. C'est juste ça. Ça prend du temps. Bah écoute, merci à toi. On te retient pas plus, hein. On sait que t'es au four et au moulin. Ouais, je cours un peu. Mais c'est, voilà. Je cours, mais ça vaut le coup parce que moi, je suis vraiment ravi de voir que tout le monde s'éclate et que, voilà. Et de voir tous ses sourires. Donc, c'est plutôt bien. Merci. Je suis venu présenter avec une fierté toute pleine d'humilité mon recueil de nouvelles, qui est ma première publication, qui s'appelle « Les 9 perles de Comboloy », édité chez Géphir, et qui est un recueil de 9 nouvelles fantastiques qui ont pour point commun de se passer en Grèce contemporaine. D'accord, ça a l'air très intéressant. J'espère. Et du coup, est-ce que ces nouvelles-là, elles ont un univers partagé ou est-ce que c'est vraiment des univers différents ou des choses qui peuvent peut-être se croiser, des personnages, des objets ou... Non, elles sont complètement indépendantes. Les deux vrais points communs, c'est qu'effectivement, elles se passent en Grèce contemporaine et qu'elles sont liées systématiquement à un souvenir de voyage que j'ai eu. C'est chaque nouvelle est liée à un séjour en Grèce pendant lequel j'ai vu, entendu, croisé des gens, des lieux qui m'ont inspiré une histoire. Okay. Il y a toujours une petite pointe de la Grèce antique et les dieux grecs sont jamais, jamais très, très loin, mais ce n'est jamais non plus les personnages principaux, sauf une. C'est pas non plus ta première expérience, pour ce que j'en connais non plus dans l'univers créatif par rapport à ce que tu fais aussi pour le festival ou même dans d'autres domaines comme la SVTLC. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est ma première publication à titre d'auteur, mais à titre d'écrivain même on pourrait dire. Enfin, j'ai toujours eu un problème avec la nuance entre les deux termes, mais en tant qu'auteur, ça fait pas mal de temps que je travaille et notamment ça doit faire la 4e ou 5e édition du festival avec lequel je collabore en tant qu'auteur et réalisateur de podcasts. On a réalisé plusieurs séries de textes courts audio, à la fois des fictions qui prenaient comme cadre la thématique du festival à venir et des capsules informatives
qui elles aussi de toute manière sont un peu fictionnalisées, pour annoncer les événements qu'il allait y avoir pour chaque édition du festival. J'espère avoir mis tous les mots dans l'ordre, je suis pas sûr. Non, c'est très bien. C'est bon. En plus, ces capsules, elles donnent vraiment un petit avant-goût particulier. C'est assez original par rapport à tout ce que peut avoir comme communication dans les festivals de ce type-là. Et pour en avoir vu quelques-unes de cette année, effectivement, en plus, il y a une espèce de fil rouge. Enfin, voilà, il y a aussi des running gags. Enfin, voilà, c'est vraiment plutôt bien fait. Merci. Et puis, du coup, il faut que je partage le crédit parce qu'il y a aussi Thierry Julien qui a coécrit celle de cette saison et la saison précédente et avec qui on collabore avec beaucoup de plaisir et c'est coupable, mais on s'amuse beaucoup. Ça se ressent en tout cas. Oui, peut-être un peu. On essaye de limiter parce que j'avoue que si on lit les premiers jets, je pense que ça passerait pas à certains niveaux. Trop de private jokes et peut-être des choses qui... on va le couper, mais politiquement... Incorrect. Frictionnante, peut-être. Frictionnante. Toute ressemblance avec des personnages et des... Et des événements et des... enfin... Voilà. Peut-être une petite dernière question. Du coup, quels sont tes projets à l'avenir, là, notamment que ce soit l'écriture, mais dans d'autres domaines aussi, autour de la création, au sens large, ou par rapport à ce que tu fais comme métier aussi en dehors de l'écriture ? On a évoqué la SVTLC et il y avait en parallèle le... Alors, juste pour ceux qui nous regardent, la SVTLC, c'est donc la Société des Vieilles Têtes à Chapeau. À long chapeau. À long chapeau, voilà. Voilà, il y a toujours une lettre qui manque. C'est beaucoup trop long comme titre. C'était une série de podcasts de fiction que j'ai coécrit et réalisé avec Georges Fauveau, qui étaient des histoires courtes dans son univers. Donc la fameuse Société des Vieilles Têtes à long chapeau, qui est une espèce de mix entre Lovecraft, X-Files et du steampunk. Et les archives de l'insondable, qui est une autre série que je faisais avec un ami auteur, Olivier Gechter, qui est venu d'ailleurs il y a quelques années ici. Et malheureusement, suite à des problèmes de planning qui se sont trop remplis, on a été obligé de les abandonner. Enfin, de les mettre en pause, en tout cas, on espère un jour les relancer, mais pour l'instant, c'est très très compliqué. À mon tour. et donc, pas grave. Donc dans les projets potentiels, il y a peut-être relancer ces séries, ou Thierry Julien qui est très très chaud pour relancer aussi des séries de son côté en collaboration. Moi, à mon niveau, j'ai encore pas mal de stocks de contes grecs, donc potentiellement j'aimerais bien réunir un tome 2. Et puis alors ça c'est le serpent de mer, j'ai 3-4 romans sur le feu qui je n'arrive jamais à faire avancer. Comme tout bon auteur qui se respecte. Et du coup tous ces podcasts dont vous nous avez parlé, on peut encore les écouter en ligne? Tout à fait, ils sont sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Les archives sont assez faciles à trouver, parce que archives de l'insondable, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui portent ce nom-là. La Société des Vieilles Têtes à long chapeau, c'est un peu plus compliqué parce que le titre étant tellement long qu'il y a des fois on a dû le raccourcir, et quand on met le titre en entier dans le moteur, il y a certaines plateformes qui n'arrivent pas trop bien à le trouver. Sinon, en fait, ils sont hébergés chez Podcastix, donc là il y a les liens directs. Oui. Okay. Après, en off, si vous avez besoin de le mettre un lien, je vous donnerai tout ça. Ouais, on peut mettre ça dans la description, la vidéo, voilà. Il n'y a pas pas de soucis. Est-ce que tu as une autre question, JC? Bon, écoutez, merci pour votre disponibilité. Eh ben, merci à vous, c'était cool. À plus tard dans le salon. À plus tard dans le salon. Merci. Alors, salut.
salut Cédric du comité Coucou. Comics. Salut les The Geeks. C'est ça, The Geeks. Nouveau nom pour une nouvelle vie, hein. Vous êtes beaux comme tout, hein. Là, c'est le dernier nom. Ah, Burn After Streaming ou Samurai Pizza Cast, vous commencez à avoir un peu des cernes. C'est ça. Là, The Geeks, je vous trouve que vous avez rajeuni 10 ans, moi. The Geeks, bravo. Félicitations, les gars. Ça, merci, merci. T'as une nouvelle coiffure, tu as eu un nouveau nom. Nouveau coiffure, je vois. Nouvelle coiffure. Donc, on l'a mis à l'endroit, cette fois-ci. C'est magnifique. Voilà. Pourquoi vous avez des images où c'est à l'envers? Ouais. D'accord, génial. Mais c'est bien, ça va être le fort accord. C'est parfait. C'est trop bien. Aujourd'hui t'as été quand même présent le matin, l'après-midi, donc ce matin c'était le quiz. Ce matin j'animais un quiz où les gens se sont affrontés dans la cruauté du monde d'aujourd'hui, et ensuite j'animais j'ai préparé une conférence sur Star Wars, et après il y a la Battle de dessin qui est quand même toujours l'un des événements, l'apogée d'un festival, puisque c'est toujours merveilleux de voir ce que j'appelle la guerre de l'art et le dessin prendre vie. Donc là c'est en plus avec mon bon Bruno Bessadi contre Jonathan Oconte. Et on va se régaler. Alors du coup là tu nous as fait cette fois-ci une conférence Star Wars, ça change un peu des comics, même s'il y a des comics dans l'univers Star Wars. Je voulais pas faire que une conférence sur les comics de l'univers Star Wars, ce qui avait été un peu proposé à la base par le festival, mais déjà si moi je dois relire les centaines et centaines et centaines de comics, à la fois canon, les nouveaux de Disney depuis 2015 environ, et les Legends qui précèdent, moi je m'y perds. Moi, pour tout vous dire, j'aurais préféré faire une conférence sur Hellboy. J'en ai fait une il y a une semaine à Bourges. Ils viennent sortir un nouveau Hellboy, tu vois, ça y est, je t'ai piraté. Qui a l'air complètement, j'ai regardé les 10 premières minutes, mais comme je suis fatigué en ce moment, tout le monde s'en branle, mais je le dis quand même, je me suis endormi. Mais par contre, j'ai vu que il y avait un bon petit feeling production amateur, et par contre un Jack Casey qui me fait rêver en Hellboy. Le peu que j'ai vu, il a cette dégaine, cette nonchalance. Donc j'aurais bien aimé parler des mythes de Hellboy. Après voilà, il y a une thématique Star Wars sur le festival, donc j'ai décidé de traiter ça pour me faciliter un petit peu la tâche, en me concentrant sur un film, parce que s'il faut faire une heure sur les trois trilogies et sur les séries et sur les comics et sur les jeux vidéo qui prolongent l'univers, et les romans aussi, parce que les romans Star Wars sont très importants, non, on s'en sort plus. J'ai pas tout lu déjà, hein, faut quand même être honnête. Donc voilà, j'ai préféré faire sur la façon dont Lucas a structuré son histoire, en s'aidant notamment du monomythe et de quelques autres ouvrages, pour en faire un archétype universel qui fonctionne encore depuis 1977, depuis bientôt quand même 50 ans. Bah, pour rebondir sur deux choses, la première sur Hellboy, ça sort quand? Alors Hellboy, malheureusement, ça ne sort pas au ciné. C'est très dommage. C'est un très mauvais signe de la part des distributeurs qui ont choisi de pas le prendre. Et donc c'est direct to streaming, Burn After Streaming. Vous vous rappelez? Donc c'est dommage. Je crois que c'est sur Amazon. Je crois. C'est sorti. C'est sorti en début de semaine. Ok, je regarde ça ce soir. Ah oui. Tu vas voir. Ouais, non mais vraiment, ça me chauffe. Hein. Deuxième chose, c'est pour rebondir un peu sur la conférence. Bon, j'ai entrevu, on va dire, mais sur un sujet que je connais, sur l'angle du scénario. Et du coup, est-ce que tu avais vu, c'était un équivalent, on va dire, d'Yves Lavandier, par exemple, sur la dramaturgie, donc un narratologue français, qui avait récupéré ça d'un ouvrage américain sur les différentes versions du scénario de Star Wars, ou comment George Lucas, en fait, est arrivé à construire de son scénario, où franchement, ça, on dirait un enfant de 5 ans qui écrit un scénar, à ce qu'on arrivait en fait à un modèle de, effectivement narratif classique. J'ai pas vu le, non, j'ai pas fait le. Ça, c'est quoi, c'est une forme d'historiographie, on va dire, des bons mots. Hey, Bernard Pivot, si tu nous regardes, historiographie de du scénario. Alors, de l'écriture. C'est un nom particulier parce que c'était mon ancien. Ah, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la génétique. En la fait. Génétique, voilà, ok. Ça, donc tu étudies les archives en fait d'une œuvre, donc là des scénarios du film. Et cet auteur-là montrait comment justement George Lucas, influencé par ses lectures d'œuvres effectivement de fiction, etc., mais aussi par des essais, a commencé à apprendre à se structurer. Et effectivement, je pense que ça rejoint pas mal de choses. Quand il a utilisé le monomythe qui était sorti une trentaine, 40 ans plus tôt, quasiment. Oui, forcément, ça a dû lui parler. En même temps, c'est pas, si tout le monde, en utilisant le monomythe, pouvait écrire des Star Wars, ça serait aussi. Il y a quand même plein de choses qui font de Star Wars quelque chose de terriblement innovant, la façon de filmer, les fulgurances des réalisateurs, les fulgurances des gens qui se sont entourés, enfin qui ont entouré George Lucas pour faire le film. Enfin, je suis pas le plus gros expert de Star Wars, donc je dis des banalités que tous les gens savent.
Mais quand même, voilà, c'est pas juste une histoire, mais le fait que cette histoire soit si facile, que ça soit si facile de s'y glisser dedans, c'est génial. Ouais, et puis comme tu le dis, en fait, c'est pour moi la grande qualité de Star Wars, c'est pas forcément sa qualité d'écriture, mais sa qualité, enfin, de George Lucas, c'est sa création d'univers. Et il a réussi justement à intégrer toutes les composantes d'un univers. Et surtout, je trouve que le vraiment défi de Star Wars, c'est un peu ce que j'ai entendu de ta conférence, c'est-à-dire comment arriver à faire ça en un seul film, en fait. C'est-à-dire qu'on même pas, on enlève le 5 et le 6, en fait. Ah oui, non, lui, il était juste pas sur... Le premier film, c'est vu l'enfer. L'initiation, parfait. Ah oui, vu l'enfer que ça a été, il pensait pas... C'est venu et après, mais... Ouais, donc, voilà, c'est juste pour rebondir un petit peu sur ça, et si à l'occasion, je retrouve la référence, je te la passerai. D'accord, très bien. Un dramaturge français. Alors, moi, une petite question à la con. Lider, je t'ai proposé Dr. Manhattan versus Superman qui gagne. Oh, il me fait chier, voilà. Ces questions, cette là. Cette fois-ci, ça va être l'autre question à la con. Michel Fourniret contre Guy Georges. Je sais pas, c'est qui a le plus de chevaux dans sa camionnette, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Encore avec ces questions, ces combats, là. Attends, laisse-moi le zizi, là. Alors vas-y, qui? Apprécie-la. Bah, je vais l'apprécier. Alors, je vais savoir, regarde. Trilogie, pastologie ou prélogie? Bah, trilogie. Ouais. Trilogie. C'est une bonne réponse. Bah, et prélogie était aussi acceptable, hein. Toi, tu as un message à faire passer là. Non. Là, je le sens. La prélogie était aussi acceptable. Mais dis-nous ce que tu as envie de dire. Dis-nous. La prélogie, bon, elle passe. Toi, tu étais le genre à défiler avec George Lucas et Disney en violé mon enfance. Ce qui prouve, comme je disais, que tu as eu une très belle enfance. Non, tu n'as pas été emmerdé au catéchisme. Franchement, même pas. Non, j'en veux plus à nous. Non, mais ceci dit, c'est fou quand même. Comme déjà, ça a changé de propriété. Enfin, comment c'est un peu. C'est une forme de génétique aussi, j'imagine. Ouais, toi qui es eugéniste, tu peux nous le dire. C'est une forme de génétique aussi, comment les fans se sont appropriés le mythe de Star Wars avec une fougue, avec une ardeur. C'est quand même surprenant. Ouais. C'est pas toutes les histoires dans lesquelles on s'investit comme ça. Il a tiré en premier, il a pas tiré en premier, alors ça a changé, nous on va faire des montages, on va remonter le film. Et je trouve ça beau quand même, mine de rien. Je trouve ça beau de, voilà, tant que ça reste dans les, voilà, bon, je suis pas fan du George Lucas a violé notre enfance, parce que, bon. Mais j'aime quand même la détermination des fans de Star Wars qui s'approprient l'œuvre, les fanfictions, les fans de Star Wars qui sont devenus, enfin, George Favreau, est un fan de Star Wars, ce qu'il a fait avec le Mandalorian, c'est quand même, moi je me suis régalé. Je vous dis, je suis pas un spécialiste de l'univers, j'ai pas lu tous les livres, mais ça ressemble à du Star Wars. Andor, c'est exceptionnel aussi, dans un autre style. Andor avec Poe Dameron là. Non, ça je confonds avec Rogue One. J'ai plus son. Rogue One. Voilà, c'est comment il s'appelle, c'est Oscar Isaac. Non, il est pas dans Andor. D'accord, alors je confonds avec Rogue One. Vraiment, j'aime beaucoup Oscar Isaac. Même Rogue One, dans tous les cas, c'est ce qui se passe après Andor. Donc voilà. Oui, les deux sont liés. Mais ouais, c'était une chouette série. Rogue One d'ailleurs, c'est le meilleur film Star Wars. Ouais, dans les récents. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien, ça se tient. Voilà, mais après, faut aussi qu'on arrête de. Enfin. Il a mis la barre très haute. Je pense qu'on devrait se détendre maintenant quand on, et vous le savez puisque vous faites de la critique, on se sent presque toujours obligé de commencer par, alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais oui, mais allez vous faire enculer, vous voyez, pas vous, mais oui. Au bout d'un moment on n'est pas obligé de toujours commencer par bien sûr. Une œuvre, elle peut être appréciée pour ce qu'elle est, il n'y a pas besoin que ça soit toujours comparé au meilleur de la fratrie, tu vois, au meilleur, tu vois, je trouve que ça pèse un peu. Et alors il y a des œuvres où on a le droit on peut ne pas aimer, où il y a des fautes en termes de dramaturgie, mais déjà avant de dire ça, il faut quand même pouvoir écrire nos propres scénarios. Mais quand même, il faut arrêter de ne penser qu'au chef-d'œuvre pour comme maître étalon de toutes les autres œuvres, et du coup on se retrouve à diminuer des œuvres qui si on les mettait pas à côté d'un Watchmen pour certains, et surtout qu'en plus, désolé, je prends un peu de temps, mais ça fait un effet négatif sur moi. Je connais plein de gens qui ont dit ouais, bah finalement Watchmen c'est nul. Moi, j'ai adoré. Non mais je te parle des livres. Il y en a plein qui disent on nous a présenté Watchmen, on nous l'a tellement présenté comme quelque chose de dingo. C'est long, c'est chiant, parce que on leur a dit quelque chose, tu vois, et qu'on leur a dit en plus que tout ce qu'ils lisent eux, c'est de la merde comparé à Watchmen. D'accord. Du coup, tu crées une tension et qu'il faut pas créer. Lisez Watchmen, lisez ce que vous avez envie de lire. Voilà, ce sera mon petit message de fin si quelqu'un a envie. Non, on peut continuer. Ouais, non, ça rebondit un peu. Par exemple, plus récemment, t'as Deadpool versus Wolverine.
le film est pas fou, mais ça divertit. Après, il a ses défauts dans l'écriture, un scénario un peu simple, mais tu t'en fous, tu te troisième acte. Moi, j'aime bien le début du film, je vais pas spoiler, mais le début du film en mode écoutez, je vous avais dit qu'on ferait pas ça. Regardez-moi mettre les pieds dans le plat violemment. Ça j'aime bien. Oui. Après, c'est vrai que la fin, la résolution, l'acte 3, je trouve que il est un peu en demi-molle. Je comprends pas très bien. Je comprends, mais je trouve que c'est dommage. Mais ouais, tu passes un bon moment. Tu vois des vers. Il y a des petits kiffs y a du bon fan service. Ils sortent des personnages qu'on n'a pas forcément, on n'espérait pas trop voir. Il y a des bons reveals. Bon, voilà. Après, voilà, faut pas. Ça reste. Voilà, c'est du cinéma de super-héros. C'est fait pour nous faire passer un bon moment. Pour faire augmenter le compte de fuck dans l'univers Marvel aussi, puisque je crois qu'il a augmenté de plus de 200 ou 250 unités. Alors qu'auparavant, il n'y en avait qu'un. Mais voilà, faut se détendre. Faut lire ce qu'on a envie de lire et faut se détendre. On n'a pas le temps. On va tous crever. Hein. Oui, on va tous crever. Moi, j'ai en tête, et c'est une de mes BD préférées, et je le dis peut-être tout le temps, mais c'est pas grave. Calvin et Hobbes, hein, Bill Watterson. Et j'ai en tête Calvin qui, en quatre cases, sous un ciel, étoilé, lève la tête, il parle aux étoiles et il dit, je suis important! Et après, il dit, crie, le grain de poussière. Donc on est tous des grains de poussière, donc ça va, allez, si on n'aime pas un film, on passe à un autre, il y a tellement de choix, pas obligé de... Exactement. Je sais pas pourquoi je fais un coup de gueule, je suis pas venant, je vous aime bien. On va dire sur ma bulle préférée de Calvin et Hobbes. C'est laquelle? Ma bulle préférée de Calvin et Hobbes, qu'est-ce qui est plus dangereux, pire qu'un Tyrannosaurus Rex? Ah, je l'ai pas celle-là. C'est un Tyrannosaurus Rex en F-14. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est en strip blanc, je vois. Explosé de rire, en fait. Non, mais Calvin et Hobbes, lisez du Calvin et Hobbes, c'est du génie. Là, on m'a dit qu'au musée Georges Pompidou, il y avait quelques planches originales de Watterson. C'est du génie. Enfin, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on crée plein de fausses rivalités, de faux débats, et puis c'est un peu à l'image, pour faire le lien un petit peu avec le festival, on a plein de choses très différentes, des univers très particuliers qui se côtoient sans jamais aucune forme de tension entre les uns, entre les auteurs, qui écrivent peut-être dans le même genre. Puis surtout entre Marvel et DC, il y avait des rivalités. Alors tu peux faire des rivalités en mode catch si tu veux vraiment, il y a le heel, mais au final, les mecs de DC, les meufs de DC ont écrit pour Marvel dès qu'ils ont eu la moindre occasion, puis vice versa, et puis dès qu'ils ont pu et qu'ils ont vu qu'ils pouvaient se faire de l'oseille en indépendant, ils ont écrit en indépendant. Mais je crois que quand tu arrives à un certain niveau de célébrité ou de renommée, comme Mark Millar par exemple, tu as envie de jouer avec ces jouets-là dont tu es fasciné, dont tu es passionné. Mais là, il a dit par exemple, je rebondis sur Mark Millar, mais que il avait une histoire de Superman qui était venu pendant les vacances sous la douche, je sais plus, je crois qu'il y a de l'eau, et qui s'est dit, avant de proposer à DC, je vais attendre parce que dans 9 ans, le premier Superman de 1938 tombe dans le droit public, devient libre de droit, donc je pourrais faire quelque chose, ça risque d'être intéressant. Donc là, il réfléchit à revenir chez Marvel. Après, il est tout plein d'effets d'annonce, hein, mais il aurait eu une idée qui pourrait supplanter Civil War, qui est le comics le plus vendu de chez Marvel pour les TPB les plus vendus des années 2000 et même d'avant, hein, je pense qu'on rivalise avec les X-Men, mais les X-Men c'était juste un chapitre. Donc voilà, et lui il écrit pour Netflix, il écrit pour plein de choses, il a son univers, donc c'est intéressant aussi de voir qu'il y a pas de rivalité en fait, ça existe pas, ça existe que dans nos esprits à nous, parce qu'on a besoin de camps, on a besoin de se définir peut-être un peu par des camps, c'est normal ça, mais là vraiment ils font tous le même, c'est comme si on peut préférer le style manga, le style de bande dessinée européenne, parce que ça s'appelle la bande dessinée européenne, pas franco-belge, il y a pas que les Français et les Belges, s'il y avait que ça on serait un peu pauvre, ouais. On serait un peu limité, il y a des très très bons Italiens, des très très bons Espagnols, des très très bons artistes en Europe de l'Est notamment, en Angleterre. Donc voilà, tous ces gens-là, ils ont la même position que quand ils dessinent. Ils n'ont pas le même style, mais ils ont la même posture. Ils sont courbés sur une planche à dessin. Sans compter les croisements, en fait. En plus. De plus en plus, en fait. Et puis c'est là que. Sculpté à dire, bon, tiens, ça c'est la franco-belge entre guillemets. Enfin. Puis c'est là que c'est le plus vivant, quoi. Ouais. Ce que fait un Frank Miller dans Ronin. Enfin, tu écris avec tes influences. Ce que fait un Sylvain Repos que vous aviez vu l'année dernière.
mon Sylvain que j'embrasse. Putain, on dirait Michel Drucker, les gars, je suis fatigué. Bah c'est pareil, tu vois, il mélange plein de styles, plein de. C'est kiffant, voilà, mais faut toujours. Faut pas se limiter, voilà, faites ce qui vous fait kiffer, comprenez les codes, jouez, de la subversion, c'est ça qu'on veut. Bonjour Cécile, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, je crois. Un an pile poil, ouais. Mais par les réseaux sociaux, on a un petit peu discuté. Ouais, on peut continuer un petit peu à échanger et bah, c'est toujours un plaisir de t'interviewer. Pareillement. Bah, du coup, tu as, par rapport à l'an dernier, on était sur plein de projets en cours mais qui ont abouti maintenant. Certains, pas tous. Cas, mais en tout cas, celui qu'on parlait qu'il y avait une sortie prochaine, ouais. Je vais parler de 610 secondes. Tout à fait. Bah, voilà, ça y est, c'est enfin sorti. Ouais. On peut dire le mot « enfin », on peut le souligner d'ailleurs. Sachant que bah, l'année dernière, à l'époque du festival, j'avais envoyé... je venais de terminer le roman, il était en cours de correction éditoriale chez un éditeur professionnel. Et j'étais en train de l'envoyer à des agences littéraires pour leur dire « voilà, il est cool mon roman, vous voulez pas le défendre auprès des éditeurs, etc. » Bon, ils n'ont pas trouvé si cool que ça, je suppose, parce que j'ai eu soit des refus, soit « non, on prend plus de nouveaux auteurs ». Et en fait, j'ai eu un symptôme que beaucoup, beaucoup d'auteurs ont, qu'ils débutent ou qu'ils ne débutent pas. J'ai été impatiente. J'ai dit, j'en ai marre d'attendre, donc je vais l'auto-éditer. Et c'est ce que j'ai fait. Couverture, correction orthotypographique, tout ça, tout ça. Et il est paru fin juin, ce qui correspondait à l'anniversaire de mon papa. Puisque l'idée de départ de roman, comme j'avais expliqué l'année dernière, vient de lui. Donc voilà, j'ai pu lui offrir pour son anniversaire, c'était super cool, il était content, moi aussi. Et du coup, là, à l'occasion du salon, bah, j'ai des lecteurs qui l'ont lu des fois déjà, qui viennent avec, qui me disent « Ah, machin, il est trop bien, c'est super cool !» Et il y en a qui me demandent de leur pitcher et tout, donc ce que je fais avec grand plaisir. Et ça se passe très bien, je suis très contente. Et par contre, l'autre projet qu'il me semble, j'en avais un petit peu parlé, c'était la réédition de Penny Cambriol. Que j'ai pas pu faire parce qu'en fait j'ai commencé à travailler dessus et tout est plus ou moins prêt. C'est là où ça bloque, c'est au niveau du temps et du budget. Le nerf de la guerre, le budget, voilà. Et parce que bah, je veux faire les choses bien et pour faire les choses bien, bah, faut avoir temps et budget aussi. Ou la compétence, mais je ne suis pas illustratrice, les bonhommes bâtons sur la couverture, ça ne le fera pas, donc voilà, du coup il faut que je fasse ça. J'ai toujours aussi le souhait d'en faire un livre audio, mais pareil, ça demande beaucoup de budget, donc c'est, enfin vous le savez, en travaillant dans ce milieu là donc voilà. Et donc je patiente et j'attends mon moment, j'attends mon heure, mais ce sera fait. Et c'est simplement une question de vraiment d'opportunité par rapport à ça, donc ça va se faire, mais je sais juste pas quand. Mais je suis quelqu'un, quand elle a un calendrier, quand j'ai un calendrier, ce que je fais, c'est que je l'adapte beaucoup aux impossibilités. Je me mets pas en tête de terminer un truc si j'ai pas les moyens de le terminer. Et je le ferai pour plus tard. Donc c'est en cours. D'autant plus que là, tout à l'heure, je dédicassais un livre à une jeune fille qui a 18 ans maintenant. Et elle est arrivée en me disant « Oui, vous vous souvenez pas de moi, mais il y a 10 ans, vous m'avez dédicacé Penny Cambriol tome 1 à la médiathèque de Lambesque. Et puis du coup, grâce à vous, maintenant, j'écris. » J'étais genre « Mon cœur !» Voilà. Non. Du coup, c'était super sympa et on a bien discuté écriture et tout. Donc même si le livre, il n'est pas reparu, il n'y a pas le tome 6, bah, je sais qu'en fait, il est toujours vivant dans les esprits de ses lecteurs. Et ça fait vachement plaisir. Oh, donc, voilà. C'est vraiment la belle histoire, ouais. Du jour. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, moi, c'est une question parce que j'ai essayé de me le procurer et avant de me rendre compte que c'était que disponible que sur Internet, hein, ouais. C'est bien ça. Mmh. Et est-ce que tu penses qu'un jour, il pourra être édité ailleurs, du coup que, Le thriller, du coup. Ouais, le thriller. Ouais. Alors oui, il pourra parce que de toute manière, les droits m'appartiennent. Donc si j'ai un éditeur un jour qui se dit « Ah, j'ai envie de le publier », je peux très bien rompre mon contrat que j'ai de diffusion en ligne, qui est juste un contrat de diffusion, je conserve tous les droits. Le donner à un éditeur, ça arrive très souvent d'ailleurs quand il y a des romans auto-édités qui ont du succès, les éditeurs ils font « Oh, nous on est intéressés au final !» donc ils prennent. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce que pour moi ce qui est important, c'est que le roman soit accessible pour un lectorat. Et de toute façon, moi j'ai des exemplaires à la maison, donc voilà, même sans les vendre, si les gens ils veulent juste avoir un exemplaire dédicacé, ça me dérange pas de dédicacer, quoi, faut pas hésiter. Bah du coup je vais faire un petit plaisir à mon papa parce que je vais lui prendre pour son cadeau d'anniversaire. C'était ça comme j'avais comme idée. Très bien. Et bien, puis je vais dire moi-même aussi, hein, au passage. voilà.
Tu as un nouveau projet d'écriture sur le vlog que tu as partagé cet été. Yes. Tu en as beaucoup parlé. Les vidéos d'ailleurs étaient très chouettes. Ça donnait envie d'aller à Valoris, je crois, c'est ça. Valoir. Ouais, entre le col du Galibier et le col du Télégraphe. Ah, c'est un super endroit. C'est très beau comme coin. Ouais. Et surtout, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là, comment il a avancé Alors, il a avancé. Vu que à Valoir, j'ai eu aussi un petit peu des petits soucis de santé, rien de grave, mais voilà, j'ai eu un peu du mal à finir ce que je devais finir, mais avant d'avoir ces soucis-là, j'ai beaucoup beaucoup écrit et en fait il est quasiment fini le roman, c'est simplement que je bloque sur la fin. Je sais pas si ça t'est familier comme symptôme, mais alors il y a le symptôme du milieu, c'est-à-dire on commence au début, on est super motivé, tout va bien et tout, puis après il y a le milieu, il y a le gros crash et ça remonte. Et en fait, ça le refait un petit peu sur la fin, mais pour d'autres raisons. Souvent, c'est parce que en fait, on voit exactement ce qu'on veut dire, mais on n'arrive pas à gérer les informations d'une manière suffisamment à la fois dynamique, mais aussi lente, pour que on conserve le côté immersif du récit, et en même temps, on est, en fait, quelque chose d'entraînant, un momentum de fin, en fait, tout simplement. Et donc le rythme du récit change beaucoup, drastiquement même, et comme, j'en ai parlé dans le blog, je peux le résumer ici, mais en gros c'est un roman qui est à deux niveaux de lecture, c'est un roman pour la jeunesse, on va dire 12-14 ans grosso modo, même 16 pour ceux, parce qu'en fait, comme je vais le dire après, en fait c'est un roman passerelle vraiment aussi adulte. Au niveau de l'épaisseur, on sera sur un premier volume Harry Potter, ce genre de choses là. Et au niveau, en fait, un peu comme dans Harry Potter, il grandit au fil des volumes, ça va être un petit peu la même chose. Et surtout, dès le départ, on a un contexte politique et social et économique, et pas que, qui est vraiment très sombre. Donc, on part de l'histoire d'une petite sorcière qui déménage à la capitale avec ses parents, enfin, elle y emménage plutôt. Elle sait pas trop pourquoi, parce qu'avant, ils vivaient dans le Grand Nord, c'était cool. Elle aimait bien les animaux sauvages, tout ça. Puis là, elle se retrouve dans une grande ville, elle aime pas trop. Elle a un familier qui est évidemment un Shiba comme mon chien, mais c'est pas vraiment un Shiba, mais voilà, il a des pouvoirs, tout ça. Et elle se retrouve à cette école-là, donc il y a une espèce d'internat, mais elle est la seule externe. Donc c'est un peu bizarre. On trouve ça bizarre de devoir y aller le matin, le soir, puis bon. Elle enquête un petit peu sur... elle comprend que ses parents lui cachent un peu des trucs et tout, puis elle comprend petit à petit, malgré elle, qu'ils sont plus ou moins impliqués, même plutôt plus que moins, dans un complot contre la couronne. Qui est à la capitale, elle est dans un collège impérial, donc j'ai un peu, voilà. Donc on a le côté école de magie, puis les oiseaux, la magie, les potions, les belles créatures, tout ça. Et de l'autre côté, en fait, on a tout un contexte sociopolitique de dictature, très très dur, vraiment, c'est là un spoiler de la page 3, mais c'est pas grave, il y a une fontaine, un peu comme la fontaine de Trévis avec les statues et tout, avec de la magie. Donc elle se dit, oui, c'est des gens, ils ont demandé à être statufiés, comme ça, en échange de leur sacrifice, leur famille, elle a ceci, cela, elle peut vivre pendant 10 ans, sans problème, etc., de santé et compagnie. En fait, on comprend que oui, il y a ça qui est monnayé, déjà c'est pas top, mais bon, voilà. Sur le principe, non. Mais elle le voit d'un point de vue d'un enfant de 12 ans qui se dit, oui, c'est un sacrifice qu'ils ont fait, c'est formidable, machin et tout. Puis en fait, 300 pages plus tard, on apprend que non, c'est des gens qui ont été statufiés pour l'exemple, ils ont été punis en fait. Et en gros, c'est ce qui va vous arriver si vous enfreignez la loi. Et en fait, elle comprend que ses parents, ils sont menacés de ça, qu'ils luttent contre plein de choses, et notamment une chose, c'est ils luttent contre l'instrumentalisation de l'éducation dans ce monde. Parce qu'en gros, l'accès à la magie, il est réputé comme étant pour tout le monde, sauf qu'elle, elle est dans un collège privé, royal, et elle sait très bien qu'il y a d'autres écoles qui arrivent, mais en gros, on leur dit oui, il faut pratiquer la magie de votre saison. Bon, ok, très bien. Elle pratique la magie l'hiver. Et en fait, dans le titre, c'est indiqué la sorcière des quatre saisons. Donc on comprend très bien qu'il y a une forme de contrôle de la magie qui est une forme de contrôle de l'accès au savoir. Et en fait, ce sont des dérives dictatoriales. C'est vraiment un truc politique très, très... Et donc elle, ça l'impacte directement. Mais c'est en grandissant qu'elle va en prendre conscience. À la fin du tome 1, il y a une catastrophe monstrueuse. L'école de magie, elle est rasée, grosso modo. Hein. Voilà, je suis désolée pour le spoiler. Et en fait, c'est l'apprentissage de la magie sur les routes auprès des gens, en fait, derrière, qui sont des gens qui pratiquent la magie de manière indépendante. Et donc, non acceptée par la couronne. Et donc, c'est tout un... C'est un espèce de mix d'énergie entre la communauté de l'anneau, parce que du coup, il y a tout un voyage qui va se dérouler un peu vers un espèce de Mordor, etc., derrière. L'école de magie type Harry Potter et compagnie, ou vraiment le côté piou-piou et compagnie, mais qui se durcit, qui s'assombrit. Et en même temps aussi, tous les romans de dystopie, en fait, tout simplement, que j'affectionne. Et donc, quand on est adulte ou grand ado, on a les moyens de le lire avec cette grille de lecture-là, dès le départ d'ailleurs.
Et en même temps, on a bah, le point de vue de l'enfant de 12 ans qui grandit, dont le monde se complexifie, qui comprend pas tout, qui essaye de comprendre. Donc on est vraiment dans le roman d'apprentissage, mais pas de fantasy typique. J'essaye de jouer comme d'habitude, je mélange tout ce que j'aime et je vois ce que ça fait. Je sais pas si le résultat sera à la hauteur de mes attentes, j'espère que oui. Et donc du coup, sur cette fin-là, mon problème, parce que j'en reviens à mon problème de départ, c'est que j'arrive pas à mélanger les intrigues dystopiques et les intrigues d'école, plus l'intrigue familiale de l'héroïne, à des... exactement comme je veux. À chaque fois, je teste un réglage et ça fonctionne pas comme je veux. Donc j'efface, je réécris, j'efface. Enfin, c'est long. Voilà. Pour prendre un exemple justement pour moi qui a pas marché en tout cas en tant que lecteur, c'est la fin du Seigneur des Anneaux dans Le Retour du Roi où on a une fin à tiroir et qui, en termes de dynamique, est absolument indigeste. Quoi. Et parce qu'il doit conclure des enjeux monstrueux étalés sur non seulement le Seigneur des Anneaux, mais sur d'autres, d'autres œuvres. Donc oui, je comprends le type de problématique que ça peut engendrer. Ouais. Et comme c'est très dense, je me dis peut-être qu'il y a des questions auxquelles je comptais répondre en fin de tome 1. Peut-être que je vais les garder pour le début du tome 2, en fait. Mais du coup, ça implique quoi? Ça implique de commencer à planifier le tome 2. Oui, oui, forcément. Et donc, ben voilà, je galère. Mais c'est pas grave, ça avance. L'autre chose que je trouve intéressante dans ce que tu nous écris et que j'ai pas forcément retranscrit à travers la newsletter, c'est l'aspect politique et bah, la ressemblance avec le monde contemporain sur l'enjeu de l'éducation aujourd'hui. Ouais. Où, je peux le dire de manière d'un regard, on va dire, du terrain, où véritablement il y a un véritable enjeu d'uniformisation et de contrôle en fait de ce que font. En fait, bien éduquer les jeunes, c'est créer des citoyens libres pour le futur. Et moins on est éduqué, plus on est prisonnier d'un système, en fait. Ouais. Et ça, c'est terrible. Mais donc, je trouve ça un thème très d'actualité, très intéressant. Du coup, à travers, en plus, l'air de rien, en quelque sorte. Mais mon but, c'est justement d'éduquer. Alors, pour les adultes, généralement, quand ils lisent ce type de récit-là, ils ont suffisamment de recul sur ça pour le comprendre. Mais c'est d'éduquer par l'expérience de la lecture les jeunes qui sont les premiers concernés pour que même s'ils n'ont pas envie de faire des études plus tard, parce qu'ils ont le droit aussi, ils le fassent mais en toute connaissance de cause. Qu'ils n'estiment pas que c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou quoi. Parce qu'il y a ça aussi que je veux montrer, c'est qu'on peut très bien être libre sans avoir eu une éducation complète, je veux dire, à l'école, à condition de s'éduquer en dehors de l'école, en fait. Et d'avoir quelque chose qui nous permet d'avoir un recul, une intelligence émotionnelle, économique aussi, sociale, parce que l'école, elle est une super base pour ça. Pour moi, elle est indispensable, mais je veux vraiment qu'ils comprennent qu'on peut apprendre à tout âge et de toutes sortes de manières. Et tant qu'on a l'envie d'apprendre, en fait, on peut être quelqu'un de libre, quelqu'un de... pas juste instruit. Moi, l'instruction, c'est une chose, mais pour moi, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Et je trouve qu'en ce moment, justement, on a tendance à faire... Enfin, tu me dis si je me trompe, c'est toi qui me placer, mais à faire de l'instruction une fin et non pas un moyen, en fait. Jean-Captain, comment tu vas depuis, ça va. Depuis l'année dernière, en fait. Ça va très bien, puisque je suis de nouveau ici, et c'est toujours un plaisir immense d'être à Saint-Cana pour le Festival de l'Imaginaire. On est excellemment bien reçus, on rencontre que des gens bien, et en vérité, le public est tellement bienveillant, et c'est la bulle de l'année où on prend du positif et du carburant pour créer jusqu'à l'année prochaine. Ça tombe bien, ça tombe en octobre. Donc, du coup, on passe le mois de rentrée et ça permet... C'est ça. Alors, parle-nous un petit peu de tes activités, tes projets en cours. Qu'est-ce qui a un petit peu émergé au bout d'une année de création pour toi? Alors, moins de choses que ce que j'aurais aimé, malheureusement. Mais il y a quand même quelques petites choses. Donc, je suis en projet, un projet jeunesse avec mon amie Leïla Benhabid au scénario. Donc, je ne dirai rien sur ce projet. Je ne divulguerai rien. Ça restera un secret, peut-être un mystère. Peut-être j'aurai de quoi vraiment vous montrer l'année prochaine, je l'espère. Et en dehors de ça, bon, je suis vraiment restée un petit peu sur ce que j'aimais moi, sur mes petits projets perso à moi. Beaucoup de petites choses qui ont changé dans ma vie professionnelle et tout ça. Donc on réadapte, mais on lâche rien. Et voilà quoi. Donc on a encore on est bon? Sinon, je suis toujours dans la vague de mon tarot qui continue encore son chemin.
Voilà, donc je continue à distribuer, à faire profiter de cette aventure-là plein de gens. Des gens qui viennent me chercher aussi, qui en ont entendu parler et à qui ça a plu, quoi. Donc je continue à parler de ce jeu de tarot complètement lunaire, avec plein de personnages geeks de la bande dessinée, du cinéma, des séries. Et puis je fais des petites commandes aussi, voilà, pour les gens, des portraits, des fanarts, un petit peu de tout. Est-ce que tu peux nous partager, là, du coup, tu as ça sur tes genoux? Alors, là, nous avons le tarot, voilà, avec... alors, j'ouvre ça. J'étais des regards. Ah, super. Voilà. Assistant. Ça, assistant, tu me dis de poule parce qu'on va dire l'image. Ouais, trop bien. Alors, par exemple, ici, ah, c'est parfait. Ah, il faut remonter un peu parce que... On remonte un petit peu. Voilà, et voilà, se rapprocher un peu parce que c'est un petit peu loin. Allez. Voilà. On est bon ? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, alors là, nous avons des exemples de cartes. Par exemple, ici, il y a Frodon Sacquet du Seigneur des Anneaux. Tiens, on peut la rapprocher, je vais assister moi aussi. Je vais la rapprocher au fur et à mesure, comme ça. Trop, trop bien. Voilà. Hop, je la récupère. Ici, nous avons Loki. Il faut que je gère un petit peu le flou. Et nous avons aussi des petits personnages que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais par exemple Phoenix, du comics Excalibur notamment. C'est la version d'Excalibur. Un comics que je piquais à ma marraine quand j'avais une dizaine d'années. Est-ce que tu peux déjà remontrer ou... Peut-être, bon là vous avez Doc Emmett Brown, Buffy, vous avez Scott Hastings d'un film de Baz Luhrmann qui s'appelle Ballroom Dancing. Que tout le monde ne connaît pas, mais qui est super chouette. Je ne l'ai pas vu, ouais, effectivement. John Hammond, Severus Rogue, enfin voilà, plein de personnages super sympas à découvrir dans ce tarot et qu'il fait plaisir de jouer avec. Voilà, tout simplement. Le tarot du capitaine. C'est ça. Et là, bon, j'étais venue avec ma petite pochette de dessins d'originaux, en fait, puisqu'en festival, je profite aussi non seulement pour montrer mes prints, mes petits badges, mes choses comme ça, mais je propose aussi des dessins originaux à l'adoption, si on peut dire ça comme ça, puisque ben, je commence à en avoir des gros cartons, en fait. Et là, vous allez trouver... On va remonter un petit peu aussi. Ah. Hop. Ah, encore un peu, et on est bon. Là, on est bien. Bon. Voilà, c'est bien. Voilà, donc là, par exemple, on a des originaux que j'ai fait pour un Inktober, notamment, ou pour des séries de cartes avec des thématiques particulières, comme là, le Joker. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être sympa? Ouais, On a eu Mercredi Adams et Édouard Romain d'Argent, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Des techniques différentes, parfois à l'aquarelle, parfois aquarelle plus crayon. Là, notamment pour Édouard Romain d'Argent, ça a été plutôt des feutres à alcool. Donc, des petites découvertes techniques aussi comme ça qui changent. Là, on a Brawl Star. Alors, ouais, on a non, ça parle beaucoup à mes élèves, ça, c'est du reconnu un petit peu. Le milieu du jeu vidéo, c'est mon fils qui m'a initié à Brawl Star et j'avoue que je fais quelques parties de temps en temps, c'est très sympa. Du film, du classique, avec Crimson Peak d'un côté et Walking Dead de l'autre. Bon voilà, ça va être des univers très variés qui vont... En fait, vous allez voir tout ce qui me plaît. Hein. Ouais, mes dessins, concrètement, ça va se passer comme ça. On va parler plus facilement de ce qui nous plaît. Et puis des originaux aussi, issus de... Ben voilà, la collection du tarot. Du tarot. Voilà, tous les originaux des dessins, de toutes les cartes, sont disponibles à l'adoption aussi et... Voilà, si vous avez un personnage préféré, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, toute ma vie est là. Merci encore, Captain. T'as peut-être une dernière question, Jérém? Dernière question, où est-ce qu'on peut trouver un peu tout ça? Est-ce que t'as un shop en ligne, t'as un site, un compte Instagram? Alors, un compte Instagram, c'est là où je vais être le plus facilement. On va pouvoir me contacter le plus facilement, c'est là où je traîne le plus. Facebook, j'y vais de temps en temps, mais j'y suis peu. Et je n'ai malheureusement pas de shop en ligne parce que je n'ai pas suffisamment d'activité pour justifier ça. Mais voilà, on peut passer commande en message privé sans souci. S'il y a quelque chose qui vous fait envie,
ou même si vous avez des questions sur des... J'ai beaucoup de personnes qui viennent me demander des conseils sur des dessins, sur l'illustration, et je vous invite fortement à faire ça. Vraiment, il ne faut pas hésiter, vous ne nous embêtez jamais, que ce soit moi ou d'autres illustrateurs. On est très contents, nous, quand on a des conseils, même quand on a 20 ans de dessin derrière, on demande toujours conseils, donc n'hésitez pas, on est ravis de pouvoir donner un coup de main. Voilà, montrez-nous vos dessins, venez en festival avec vos books, ça c'est chouette aussi. Moi j'ai reçu beaucoup de retours sur mes œuvres à l'époque, et ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui aussi faisaient des animations, donnaient des cours, il y avait des ateliers, et c'est comme ça que j'ai créé ma communauté d'artistes. Donc allez vers les autres, allez vers les auteurs, et vous verrez, personne ne mord, en tout cas pas fort. Ben merci à toi. Merci à vous. De te revoir. Par contre, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, parce que... Alors, je m'appelle toujours Arnaud Druel, voilà, et ça. Je suis toujours auteur de romans d'imaginaire pour les plus jeunes et les moins jeunes. Voilà. Du coup, par rapport à l'an dernier, un petit peu, quelle est ton actualité sur tes projets, peut-être que tu nous avais parlé il y a un an, et ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti entre-temps, quoi. Alors, il y a un an, quand on s'était vu, je venais de sortir le premier tome d'une série fantasy à partir de 9-10 ans, qui s'appelait Chronoloup. Et donc, cette année, en 2024, les deux derniers tomes, enfin les deux autres tomes, parce que c'est une trilogie, sont sortis donc au mois de mars et au mois de juillet. Voilà, donc la série est complète et j'ai le plaisir de la présenter au Festival de Mont-Sartoux. Et puis après, j'ai d'autres projets pour 2025, deux autres sorties prévues en librairie. Voilà. D'accord. Alors, parle-nous un petit peu de Chronoloup et surtout, waouh, bravo, terminé les deux ouvrages en l'espace d'un an. Et du coup, voilà, est-ce que du coup, tu as eu des retours là, par exemple, de lecteurs ou de lectrices qui ont pris le premier tome l'an dernier et que là, du coup, ils ont eu l'envie de poursuivre, ou même ailleurs, hein, dans d'autres festivals, pas forcément ça. Ouais, alors c'est vrai que le premier tome étant sorti en septembre, il faut un petit temps pour voir un petit peu comment le public de lecteurs adhère. Et là, c'est vrai que ça, Chronoloup, je le ressens vraiment depuis le printemps. C'est une série qui fonctionne très très bien. Il n'y a pas énormément de fantasy pour ce public là, pour les 9-12 ans, et mon objectif, je l'avais raconté il y a un an, c'était de raconter un Game of Thrones pour les plus jeunes, donc pas être sur un récit simplifié pour permettre d'atteindre ce public là, mais en même temps pas être dans le simplisme non plus, c'est-à-dire leur provoquer les émotions qu'on peut avoir avec des retournements de situation, des rebondissements, de l'aventure, des trahisons, des complots, voilà, et toutes les émotions qu'on peut ressentir à la lecture. Donc j'ai pas mal de retours, c'est-à-dire que les lecteurs viennent prendre le 2, prendre le 3, donc il y a une bonne adhésion, voilà, c'est jamais 100% évidemment, mais il y a une bonne adhésion à l'ensemble de la série, et l'an prochain elle concourt d'ores et déjà pour 3 prix littéraires au niveau national, donc pour des prix des écoliers, etc., notamment le prix Imaginal des écoliers qui est un prix important au niveau national, voilà. Félicitations, ouais. Non, parce que c'est pas forcément tous les romans qui ont cette... C'est vraiment une série qui est en train de se faire son chemin, et voilà, et donc c'est une satisfaction, parce que mon objectif, c'était vraiment d'amener les jeunes lecteurs au plaisir de la lecture et de la découverte d'un univers fantasy qui était nouveau et voilà, mais en même temps adapté à leur âge. Oui, ce qui est pas évident, parce que ayant ce type de public là, ils ont souvent à faire des références très connues comme La Guerre des Clans ou j'ai oublié les... Est-ce qu'ils lisent mes... Ouais, les royaumes de feu, ouais, voilà, genre de choses, ouais, tout à fait. Chose avec le feu, mais c'était pas ça. Et du coup, alors même si c'est des super séries, hein, mais bon, moi je trouve que les séries qui font plus de 5 romans, ça commence à être compliqué à suivre. Donc une trilogie, du coup, c'est quand même déjà quelque chose qui est beaucoup plus abordable pour aussi les petits lecteurs, en fait, parce que en général, ceux qui me lisent Les Royaumes de Feu ou La Guerre des Clans, c'est des gros lecteurs et qui enchaînent. Là, il y a assez peu d'œuvres, en fait, au final, comme ça, qui sont dans l'aventure au sens large, qui permettent de véritablement... agripper certains élèves, enfants, en fait, sur des ouvrages un petit peu plus courts, parce qu'il y a quand même une disparité
importante. Et est-ce que tu penses du coup que Croix de Loup participe un petit peu à ça, en fait, indirectement, hein, c'est complètement indirectement. Mmh. Bah, en tout cas, c'était l'objectif. C'est arriver à trouver le juste milieu. Après, bon, concrètement, les éditeurs, ils vont être frileux à l'idée de s'engager au-delà de 3 tomes. Hein, aujourd'hui, hein, le milieu d'édition, on sait qu'il y a des difficultés. Hein, donc, moi, je travaille avec une maison d'édition qui est très solide. Hein, Gulfstream Éditeur à Nantes, c'est une maison d'édition qui est bien ancrée, qui est à contre-courant. Et sans doute avant-gardiste depuis quelques années sur les littératures d'imaginaire, sur l'objet livre, sur les histoires qu'elle propose, sur le fait de ne pas faire de traduction, ne proposer que des auteurs français. Et c'est une stratégie qui est payante aujourd'hui, qui leur permet d'être bien ancrée dans le territoire français et francophone, et en même temps de pas se trouver dans les difficultés qu'ont d'autres notre maison d'édition. Mais c'est certain que c'est le juste milieu, effectivement, les 3 tomes, tout en sachant que aujourd'hui, j'étais la semaine dernière à un gros festival près de Nice, et il y a eu un gros nombre de jeunes lecteurs qui sont venus me réclamer un 4e tome. Je leur ai dit ça dépend pas de moi. Alors j'ai fait une fin quand même au 3e tome, mais on sait très bien que bon, les auteurs ont une imagination débordante et qu'on peut toujours imaginer. En faisant à cette fin, je me suis dit, si un jour j'ai un 4e tome, je vais laisser quand même des pistes narratives possibles, envisageables. Donc peut-être qu'un jour il y aura un 4e tome quand même de Croix de Loup, mais l'idée c'est qu'effectivement trouver ce juste milieu pour permettre aux lecteurs qui aiment les sagas de pouvoir adhérer, et en même temps à ceux qui voudraient lire quelque chose de plus court, ne pas s'essouffler en cours de route. Je te remercie beaucoup, Arnaud. On parlera de tes projets en off pour ceux que ça intéresse. Donc il y a la trilogie Croix de Loup qui est sortie depuis le mois de juin en entier. Et effectivement, les couvertures sont très jolies. Ouais, super. Des couvertures de Xavier Collette. Voilà, super illustrateur belge de fantasy. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci.